Europe 1, le grand direct. Le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu signé Thomas Joubert et tout d'abord impôts. On vient de parler des stratégies pour alléger les impôts. Votre invité nous a donné tous ses conseils. Hein. Elle a oublié toutefois la méthode de Thévenoud. Ah oui, bien sûr, vous ne voyez pas, ça allège. Intervention. Dans le débat, on a parlé de l'intervention de François Hollande ce soir avec mes deux débatteurs préférés, Bruno Roger Petit et Philippe Tesson, le meilleur duo comique depuis les vampes. Je vais choisir qui fait Gisèle et qui fait Lucienne. Hein. Pour son émission de ce soir, François Hollande pense à tous ceux qui cherchent un boulot. D'autant plus que ce soir, c'est un boulot qui va le chercher. Ah oui, j'ai le boulot. Ah, oui. Mi-mandat. François Hollande en est à mi-mandat, hein, mais avec tous les coups qu'il prend, on dirait plutôt qu'il est à mi-mandat là. Portrait. L'émission de ce soir commencera par un portrait intime avec Thierry Demézière. Ils vont faire quoi? Mettre des bougies, prendre un bain. Bon, en tout cas, ce qui devient de plus en plus intime, c'est la cote de popularité du président. Surnom. Le surnom de François Hollande a souvent été Flamby, et maintenant il va falloir l'appeler le président fromage blanc. Oui, il est bientôt à 0%. Là. Ah. C'est drôle ça, schizophrénie. Et dans un instant, grand direct de la santé, vous allez parler de la schizophrénie, hein, les gens qui ont double personnalité. Ben, j'espère qu'ils nous écoutent, ça va doubler l'audience comme ça, ils seront deux. Merci beaucoup Thomas Joubert. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.